Iron Maiden. Téléphone. Police en a eu. Voilà, nous tournons à l'italien, papa.
pas dans les carrières, moi. Quand tu tournes dans les carrières pour aller chercher. Moi, tu dans les carrières pour aller, vous. Moi, c'est mon yandai. Je fais un peu avec. On t'a mis tout le monde. Moutou, on est. Dis pas moutou, on est tout ça. On est moutou. Moutou. Quel appétit. On est quoi, t'as moutou, moutou. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Voilà, la caravane de la paix à Bukavu, elle a commencé à Goma, elle est passée par Beni Butembo, tout s'est passé dans les calmes. Arrivée à Bukavu, il y a des incidents. Ma ville natale. Que s'est-il passé exactement, monsieur le président? Exactement comme l'histoire de Judas et Jésus-Christ. Marcelin Tshishambo, gouverneur de province du Sud Kivu, c'est moi qui l'avais fait venir de l'Europe pour lui donner du travail. C'est donc quelqu'un de mon territoire. Aujourd'hui, le président Kabila utilise pour me donner la mort. Mais il ne sait pas que seul Dieu, comme je l'ai dit, connaît le jour et l'heure de chacun de nous. Donc ce qu'il a fait là, ça ne fait qu'augmenter l'onction que Dieu m'a donnée. Et nous avons une mission. Donc c'est le combat de David et Goliath maintenant. Et David sortira vainqueur. Il n'y a pas à discuter. Et nous, nous sommes très contents. Nous voulons féliciter cette population du Sud Kivu, de Bukavu, qui a résisté contre les réels, puisque là, ce sont les militaires de la garde républicaine qui étaient habillés en tenue de policiers. Et ils ont sorti des couteaux, ils ont tiré à balles réelles, ils ont lancé des bombes lacrymogènes. Hier, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour faire revenir le gouverneur de la région à travers ma délégation, le maire de la ville? D'abord, nous étions d'accord pour donner le stade. Mais quand les gens vont au stade, et les gens de la jeunesse sport vous disent qu'ils ne sont pas informés et qu'il y aura match au même moment. Et puis c'est aujourd'hui finalement
à 10h qui disent bon, vous pouvez aller au stade. La population a dit non, on ne peut pas nous balader comme ça à gauche à droite. Nous avons compris, vous voulez que nous ne puissions pas montrer la face du monde combien notre leader est aimé ici à Bukavu. Mais ça a été prouvé malheureusement pour eux, parce que les images à la place de l'indépendance et le long de la route, déjà la centre de l'avion à l'aéroport, sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Je crois que c'est la mort politique du président Kabila, les choses sont claires. Et c'est tout à fait normal qu'ils perdent la raison tous comme ça. Ce n'est pas normal, on tire comme ça devant une foule. Rien que les gens qui devaient se marcher dessus. On ne sait pas jusqu'à là quel est le bilan des gens qui sont décédés. On parle de coups de balle réels, des gaz lacrymogènes. Bon, vous étiez là, moi j'ai Vous avez même été atteint de gaz lacrymogènes? Oui, sérieusement, mais j'étais protégé par la population ici. Et je voudrais féliciter aussi mes gardes de corps qui n'ont pas réagi à la provocation. Puisque nous comprenions bien le piège. Et nous avons déjoué le piège. Puisque nous sommes venus à la tête d'une caravane de la paix. Peut-on dire qu'après cet incident, la caravane de la paix s'arrête ou Vital Kamerhe tient Mandukuus à continuer ce festival? Mais c'est Dieu qui nous a tous créés à l'image de son fils Jésus-Christ. Nous sommes déterminés avec le peuple de Dieu de ne pas abandonner ce peuple. On va arrêter la caravane pour voir. Parce qu'on a tiré des balles réelles. Mais les balles peuvent se retourner contre les humanitaires. Il faut bien lire le psaume 140, verset 5. Dernière question à toute la population congolaise qui vous suit en général et la population du Sud Kivu en particulier. Vous leur dites quoi? Non, c'est la mort de la démocratie. On ne comprend pas ce qui se passe dans l'intérêt des actuels. Le président de la République, prétendument, est en train de vivre son dernier mandat. Alors je ne comprends pas pourquoi il doit recourir à des reprises où on nous a empêchés de venir. Et on arrive dans notre ville natale, après ce que nous avons récolté comme succès, ce que la caravane a récolté comme succès à Goma, Beni Boutembo, mais avant Beni Boutembo, nous avons été arrivés à Goma. Voilà. Donc, s'il devait y avoir un incident, on pouvait comprendre que ça se produise. Mais à Bukavu, non. Et la population a refusé de céder à la provocation. Mais ici, nous sommes à l'hôtel. Ils sont venus m'escorter jusqu'à l'hôtel. Et donc, l'intention était de tuer. Mais Dieu, celui qui connaît les jours.